Bonjour les internautes et bienvenue sur la chaîne de Cristal. J'espère que vous êtes tous bien aujourd'hui. Voilà que nous sommes à la chaîne de Cristal. Voilà. Je vais pas me répéter et re-répéter hein, mille fois les mêmes choses que j'ai dit tout à l'heure. Voilà. Donc, désolé, j'ai pas préparé ma vidéo. J'ai pas préparé du tout ma vidéo. Voilà. Donc, je vais vous la faire en direct, ma vidéo. Voilà. J'ai un peu trié. Si ma mémoire est exacte, j'ai dû trier. Voilà. Alors, donc, je vais vous parler d'un truc à propos de ces livres-là de coloriage. Donc, il y a du thème de l'automne. En même temps que vous en parlez, je vais faire un truc, voilà. Donc, je voudrais faire du 30 septembre au 15 novembre un challenge. Donc, vous irez dans ma page sur ma page Instagram, pardon, voilà, ma page Instagram en privé, voilà, et vous m'enverrez vos coloriages. Donc, je dis bien du 30 septembre au 15 novembre, on commence, on fait, pardon, on commence, non, oui, n'importe quoi, on fait des coloriages donc de l'automne d'Halloween. Voilà, si ça vous intéresse. Voilà. Donc j'aimerais bien que vous me montriez vos coloriages. Voilà. Et à partir du 15 septembre, novembre, pardon. Je suis complètement donc, à partir du 15 novembre, je ferai une vidéo où je montrerai tous les gens qui m'ont envoyé leur coloriage. Voilà. Et moi, je vous montrerai ça que j'ai fait. Voilà. Parce que j'en ai. Donc, je vais vous montrer tout ça que j'ai choisi pour faire le challenge. Voilà. Je vais vous expliquer le challenge en détail parce que là, je ne vous ai pas trop expliqué en détail le challenge. Voilà. Donc, là, je regarde s'il y a des éclairages sur le thème. Soit l'un, soit l'autre. Mais là, je vois pas trop ça là. Je vois pas trop ça là. Je vois pas trop ça. En tout cas, s'il y a un qui me plaît pas. Vous savez, je le mets en vente sur je le mets en vente sur Vinted. J'ai même pas parlé, moi. Si je vois que ça m'intéresse pas du tout. Donc voilà quoi. Là, je cherche pour voir si je peux trouver des coloriages à faire pour sur le thème. J'ai pas trop l'air d'en voir. Hein. Non, ça perd du tout l'état, ouais. Bah, j'ai pris, je me dis la couverture, mais c'est du comme ça, je me dis oui, ça va être très beau, très joli. Mais. Non, donc je vais peut-être le revendre. Ouais, je vais peut-être le revendre celui-là, parce que c'est le seul que. Je pensais qu'il serait bien à la base des bases, et puis en fin de compte, non, il n'est pas du tout pour le thème. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer tous les coloriages que j'ai trouvé là-dedans. Sur le thème d'Halloween. Voilà, donc il y en a qui font vraiment Halloween, il y en a qui font moitié automne, moitié Halloween. Oh, j'avais envie de le faire celui-là, par contre. Voilà, donc j'ai rajouté un. Ah, donc je vous les montre tous les coloriages que je veux faire. Voilà. Mais après, vous allez voir qu'après à la fin du challenge, vous allez voir que bah, j'aurais pas colorié tout cela que je voulais colorier à la base des bases. Voilà. Et celui-là aussi. Voilà. Ensuite. Vous avez celui-là aussi, voilà. Ensuite, j'ai pris celui-là, voilà. Mais comme je vous dis, après, je vais refaire une sélection d'une sélection, voilà. Après, c'est de regarder dans tous les livres. Mettre un marque-page à chaque fois
Bah pour me dire celui-là, oui, j'ai vraiment envie de le faire, voilà. Il y a ça qui est magnifique comme tout celui-là. Voilà, il fait vraiment automne et Halloween, celui-là. Voilà. On fait plus automne qu'Halloween. Ça, il fait vraiment automne, voilà. Je sais pas comment vous le montrer en fait. Voilà, comme ça, voilà. Vous voyez? Voilà. Vous avez celui-là, voilà, comme ça, voilà. Ouais, donc si ma petite Nina, tu passes par là, il y a le challenge qui t'attend, si ça t'intéresse. Mais après, je crois que c'est tout après, hein, ce que j'avais à vous montrer pour celui-là, voilà. Voilà. Donc dans celui-là, j'en ai trouvé. Je vais en rajouter un. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. J'en ai 7 ou 8 là-dedans. Dans celui-là. Alors, désolé, je vous ai pas. Là, je vous montre les collages comme ça là et après, je vous expliquerai vraiment le. Non, il faut faire en détail, voilà. Parce qu'en fait, il y a trois thèmes. On va partir de la base. Et je vous explique au fur et à mesure. Voilà. Donc, je continue à vous montrer encore ceux que j'ai choisi. Voilà, dans ce thème. Donc, vous avez celui-là. Voilà. Donc, ça, il y en a que je vais coller directement dedans quand il y a deux fois de double. Ou sinon, il y en a certains que je vais faire des photocopies quand enfin, il n'y en a pas deux fois le même. Voilà. Là, c'est vraiment le thème d'Halloween. Là, mais pas, ça fait pas le thème d'Halloween. Voilà. Mais après, je les ferai pas tous ces colorages. Hein. Parce que je sais que ce serait impossible de faire. Hein, vu qu'avec tout ce que je vais vous montrer. Voilà. Celui-là aussi fait ma main à Halloween. Celui-là aussi. Oui. Voilà. Donc je sais que si Nina le fait, je sais que tout le monde va le faire. Enfin, tout le monde, non. Enfin, ceux qui sont dans sa communauté. Ceux qui la suivent, voilà. Voilà. J'ai pas. Non, je l'ai pas près de moi. Ah ben si, là. Ah voilà quoi, je vous ai tout montré. Voilà. Non, c'est dans celui-là. Ça m'intéresse. Voilà. Ensuite, donc, je vais passer au dernier thème. Donc, je vous explique les règles. Du 30 septembre au 15 novembre, on va faire des coloriages. Donc, il y a trois thèmes. Il y a le thème de l'automne. Donc, sur l'automne, pendant l'automne, il y a le thème d'Halloween. Voilà. Et moi, j'ai rajouté un thème pour que tout le monde puisse le faire, participer. Voilà. Donc, je vais vous montrer les Disney. Vous allez me dire, mais dans les Disney, il n'y a pas de citrouille, il n'y a pas de. Que fille ou garçon méchante de Disney peut aller pour Halloween sur le thème. Voilà. Donc, je vous montre. Non, attendez, on va commencer par le par celui-là. Voilà, ça c'est le tome 1. Dans le tome 1, j'ai trouvé. Moi, je vais vous montrer ce que j'ai trouvé dans le tome 1 pour faire. Voilà, bah attendez, ça va être plus simple. Je vais vous montrer directement les solutions. Voilà, non, ça me servirait à rien du tout. Pardon, voilà, Jafar. Vous voyez Jafar? On a Jafar.
Là, j'en ai deux. La reine de cœur. Et à côté, les sandales massins, là, la méchante des sandales massins. Cru là. Voilà. Après, comme je dis, je peux pas tout colorier. Je peux pas tout faire non plus. Aussi. Donc, peut-être en prendre un ou deux dans chaque livre. Pour cette année. Voilà. Je me dis un ou deux dans chaque livre pour cette année si j'arrive à le faire. Bah, si j'arrive pas à le faire, c'est pas grave, ça sera pour l'année prochaine. Voilà. Et après, on recommencera le challenge. Voilà. Voilà, je crois que c'était cool. Donc voilà. Là, je crois qu'il y en avait trois dedans. Il y en avait trois là-dedans, voilà, dans le tome 1. Après, j'ai pas pris tous les tomes parce que c'est lourd. Déjà, deux, tome 2, donc 1, 2, 3. Dans le tome 2, donc, je vous montre qu'est-ce que je vais faire. Si jamais je le fais, voilà. Voilà. Donc, dans le tome 2. Là, je sais pas pourquoi cette challenge, j'ai envie de le faire au crayon de couleur. J'ai pas tellement envie de le faire au fait par rapport à d'autres que j'ai envie de faire. Dans le tome 2, je crois que j'ai pris la... Ouais, c'est ça. Ça me revient. Encore la reine. Vous voyez la reine? La reine de cœur. Encore, voilà. Je crois que j'ai pris. Attendez, je vais regarder. Non, mais j'ai pas mis là-bas. Moi je crois que j'ai dû en prendre qu'un seul là-dedans, je crois. Ouais, j'ai dû en prendre qu'un seul là-dedans, je crois. Donc là, dans le tome 2, il n'y en a qu'un seul. Après, il y a des tomes que j'ai pas pris. Parce que j'avais regardé. Voilà. Donc le 3. Je crois que le 4, il n'y est pas, je crois, le 4. Parce que ça, c'est Bruno Art Gallery qui a expliqué qu'il était en train de faire un truc, voilà. Et donc, ça m'a donné l'idée de dire, bah tiens, je vais prendre une méchante Disney pour faire dans le thème d'Halloween. Donc j'ai pris celui-là. Voilà, donc c'est la méchante de la petite sirène. Voilà, donc j'ai pris elle. J'ai pris quoi encore d'autre? Je sais plus combien j'en ai pris. Mais je vais regarder. Ah, je crois que j'en ai pris qu'un seul. Aussi. Donc voilà. Donc il n'y en a qu'un seul, ça va être. Ah, mais j'ai pas envie de les faire la va-vite, j'ai envie de me prendre mon temps, j'ai envie de faire bien les choses. Donc pour ça, je vais me rater des crèmes couleurs aussi. Voilà. Donc il n'y a pas de 4. J'ai le 4, mais il n'y avait pas. Donc là, dans le 4. Dans le 4. Donc on va regarder ce qu'il y a dans le 4. Et après, je crois que c'est le 6ème. Parce que je crois que j'en ai deux que j'ai pas pris. Une seule. Donc j'ai pas pris 4 et j'ai pas pris 7. Non, il y en a 1, 2, 3. Donc il y en a deux que j'ai pas pris.
Bon, bref, c'est pas grave. Ah, j'étais qu'il y en a dans le 4, il n'y avait pas le truc qui m'intéressait. Bon, bref. Alors, j'ai repris le 4, donc Jafar. Voilà, vous voyez Jafar? Non, mais Bruno Art Gallery. 1, 2, 3. Bruno Art Gallery ne fait pas vraiment les couleurs qui indiquent. Voilà. Et des fois, c'est vrai qu'il a pas tort. Parce que des fois, on a du mal. Je 1, 2, 3. Revérifier avec les post-it. Non, parce que ça, c'est tous les post-it en fait que j'ai mis pour. On dirait que je voulais faire ce coloriage là, voilà. Pour un autre truc, voilà. Mais là, je crois qu'il n'y en a qu'un seul. Non, pourtant, j'ai trouvé deux. Mais je sais pas, c'est. Attends. Le 4 et ça c'est le 36. Donc là j'ai trouvé deux. Apparemment je vais en faire deux là-dedans apparemment. Donc le 36. Hop, hop. Le 36. Ah oui, j'avais pas vu. Cruella. Voilà. Donc je sais pas vraiment. Parce que comme il y a beaucoup de Cruella, il y a beaucoup de. Tout en les mêmes champs, les mêmes. Voilà. Donc je sais pas, peut-être choisir un Cruella et peut-être choisir aussi alors je prends peut-être un Cruella une méchante de la petite sirène qu'est-ce qu'on avait dit aussi, ah Jafar aussi un aussi voilà parce que j'allais pas me casser la tête à faire ce voyez voilà donc là-dedans dans le tome 6, voilà. Donc je vous montre qu'est-ce que j'ai choisi. Pour faire, désolé. Ça serait mieux que je renifle. Désolé encore. Alors. Qu'est-ce que j'avais dit, moi? Qu'est-ce que j'avais dit? Qu'est-ce que je voulais faire déjà, moi? Là-dedans. Ah oui, je vais faire celle-là. Vous la voyez, elle? C'est la méchante dans La Belle au Bois Dormant, je crois. Ouais, c'est ça. Voilà, donc ça, c'est la méchante. La Belle au Bois Dormant. Si je mettais pas mes doigts dessus, ça serait peut-être mieux. Voilà. Donc c'est la méchante de La Belle au Bois Dormant et c'est celle que je vais vous faire. Voilà, dans ce tome-là. Voilà. Vous voyez? Désolée. Hein. Donc, je me dis que, pour vous dire, qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc tout, je dis bien tout. Donc, tout ce que je viens de montrer là, je ne vais pas les colorier tous, parce que sinon, ça fait un dans un tome, ça fait un, deux, il y en a deux ou trois dans un autre tome, il y en a deux dans un autre tome, vous voyez? Donc, je ne vais pas tous les colorier. En fait, moi, je vais faire une sélection d'une sélection que j'ai déjà fait. Voilà, si vous m'avez suivi. Voilà. Donc, le challenge, je le répète, voilà, du 30 septembre, 15 novembre, vous faites des coloriages sur le thème automne, Halloween. Voilà, donc dans le thème d'Halloween, vous avez les méchants de Disney. Moi, je les ai mis dedans. Voilà,
Bah pour que ça fasse je veux dire, pardon, une plus grosse page de panel à colorier, voilà. Sinon, vous avez automne, Halloween, c'est tout, voilà. Enfin, voilà. Et c'est vaste. Alors qu'avec Halloween, on peut faire plein de coloriages. Plein de coloriages. Voilà. Donc, c'est pour ça. Donc, voilà. Donc, si ma petite Nina, tu passes par là. Nina Queen. Donc, allez vous abonner à sa chaîne. Parce qu'elle a deux chaînes. Elle a la chaîne normale où elle présente ses livres et voilà. Qu'elle aime bien et tout ça. Et elle a une autre chaîne. Colo. Donc, sur la chaîne Colo. C'est pas elle qui m'a donné envie de faire cette vidéo-là. Et de faire ce challenge-là, non. Parce que j'avais déjà l'idée et l'envie de le faire, mais sauf que j'avais pas reçu tous mes livres. Voilà, sur Amazon. Sur ce, ma vidéo est terminée. Pardon. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle n'aura pas été trop longue, ma vidéo. Voilà. J'espère qu'elle aura bien été expressive. C'est-à-dire qu'elle vous aura bien expliqué ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura bien. Peut-être quand vous allez la regarder, vous allez dire, ah oui, explique bien, oui, on a bien compris que du 30 septembre au 15 novembre, nous faisons des coloriages. Voilà. Envoyez-moi sur Instagram en privé vos coloriages que vous avez fait. Comme ça, je ferai une vidéo avec vos colos que vous m'avez envoyés. Et les miens. Après. Donc s'il vous plaît, je vous attends. En privé sur Instagram. Sur ce, je vous dis, passez une agréable journée, prenez soin de vous et de vos proches, et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et de vos proches, et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne Crystal!